Kamehameha. Souvenez-vous, dans les derniers épisodes de Dragon Ball GT, Son Goku, après moult péripéties, a réussi à éliminer le bébé mutant et à sauver la Terre. L'enjeu était énorme. La vie de plusieurs milliards de personnes était en jeu. Pan a joué un rôle peu négligeable dans le sauvetage de la planète. Et c'est avec bonheur qu'elle a retrouvé sa famille et Guigui le petit robot. La planète a ensuite connu une longue période de paix. Tout est rentré dans l'ordre et chacun a repris le cours de sa vie. Des années ont passé. Nos héros ont vieilli et ils ont presque tous rejoint Son Goku dans l'autre monde. La seule à être encore en vie, c'est Pan. Reste là, toi. Bonjour, grand-père, repose en paix. Debout, Junior. La journée est déjà bien entamée, au travail. J'arrive, grand-mère. Allez, fais un effort, saute aussi haut que tu le peux. D'accord. Trouver ton équilibre. Bon, à toi. Vas-y, prends ma place. Extraordinaire. Quand il avait ton âge, personne ne lui arrivait à la cheville. Ah ça, il en a éliminé des monstres. Et des gros en plus. C'est son sang qui coule dans tes veines. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas comme lui. Tu as exactement les mêmes pouvoirs que lui, seulement tu ne le sais pas. Grand-mère? Qu'y a-t-il? Je meurs de faim. Allez, viens, on rentre. Ah, d'accord. Sur ce plan-là, tu lui ressembles beaucoup. Lui aussi, il ne pensait qu'à son estomac. Tu pourrais pas me faire cuire un hamburger de dinosaure, c'est trop bon. Le garçon et la fille ont décidé d'aller en ville pour vendre leurs vaches à la foire aux bestiaux qui se tenait ce jour-là. Et ils avançaient dans les rues. Vous pouvez passer une petite les enfants, on se calme, vous voulez bien? C'est l'heure de la récré. Un marchand vendait des pommes. Oh, ouais, c'est récré. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'aurais pu me faire mal. Encore vous. Je le trouve drôlement sympa, ce stylo. C'est un cadeau. Tant pis, je le garde. bon, prends-le. Je te l'offre. T'es pas en colère, Microbe? Je le crois pas. On sait ce que tu fais après les cours. Tu t'entraînes avec la vieille Pan. Elle te fait faire de la gymnastique. Non, c'est pas vraiment de la gym. En fait, elle appelle ça du shugyo, c'est ancien. On s'en fiche comment ça s'appelle. Pourquoi tu t'entraînes? Dis-le nous. Tu peux le dire, tu sais, on n'est pas idiots, on voit clair dans ton jeu, tu veux te venger de nous? Non, c'est pour lui faire plaisir. Bon, écoute, si tu veux te battre, c'est pas un problème. Dis-moi le lieu et l'heure et je serai au rendez-vous. Seulement taper sur un lâche, c'est pas très drôle. J'ai pas de temps à perdre, moi. Et bonjour à mamie. Salut, l'avorton. Nanatello.
Comment? Ces petits voyous t'ont insulté et tu les as laissés faire sans rien dire? Mais c'est pas possible! Tu aurais dû leur donner une sévère correction! Et le stylo que je t'ai offert, tu l'as récupéré au moins? Tu n'y connais pas, grand-mère, ils sont très forts! Je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire à 3 contre 1! Ils m'auraient massacré! Mais c'est moi qui vais te massacrer! Je n'arrive pas à croire que mon propre petit-fils soit aussi lâche! Je te rappelle que tu es le descendant d'une grande famille de guerriers Saiyan et que nous... Quoi? Oh! Ça va pas, grand-mère? Tu es malade? Allez! Réveille-toi, grand-mère! Grand-mère, s'il te plaît, dis quelque chose! Tu m'as fait une de ces peurs tout à l'heure, je t'interdis de me refaire un coup pareil, t'entends? Tu vas guérir, promets-le-moi. Si tu reviens avec moi à la maison, je te promets de reprendre l'entraînement. Et j'irai voir cet imbécile de Pâques et je lui reprendrai le stylo. Tu seras fière de moi, grand-mère. Tu n'as rien compris, mon chéri, écoute-moi. Ce n'est pas la force physique qui compte, c'est le courage. Taper sur les gens, ce n'est pas ça la solution. On mesure la force d'un guerrier à ce qu'il a dans le cœur. Alors tu dois apprendre à apprivoiser ta peur. Et si tu veux ressembler à Sangoku, commence par là. Le courage, c'est ça qui te fait défaut. Le courage? Écoute-moi. Je te l'ai peut-être pas dit, mais tu n'es pas comme les autres. Ah non? Pour commencer, tu es le seul et unique descendant du plus grand héros de tous les temps. Mais en plus, tu es sa réplique exacte. Tu es sa réincarnation. Je te regarde et j'ai l'impression de le voir. Mais lui, c'était quelqu'un. Moi, j'ai encore rien fait. Ça va arriver. Un peu de patience, tu verras. Travaille dur et tout ira bien. On t'a donné son nom pour que ça te porte chance. Sangoku Junior. Arrête ça. Je suis pas comme lui. Je suis qu'un enfant. J'ai encore besoin de toi. Promets-moi que tu vas tout faire pour guérir. Ne pleure pas. Entraîne-toi et tu deviendras aussi brave que ton grand-père. Oh, grand-mère, qu'est-ce que tu as? Vite, allez me chercher une bouteille d'oxygène. Tout de suite. Va dans le couloir, mon grand. Non, je veux rester avec elle, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité, elle me guérira. Eh bien... C'est pas aussi grave. Comment t'expliquer? Dites-moi qu'elle va s'en sortir, elle a pas le droit de me quitter maintenant. Non, je veux comprendre. Elle ne peut pas m'abandonner, j'ai plus personne à part elle, c'est pas ce que je vais devenir, je suis qu'un enfant. Supplie, ne blesse pas. La boule de cristal. Parfaitement. Tu vois cette boule avec les étoiles gravées dessus? Elle a été créée par un dragon qui exauce les souhaits des gens. Oh, j'adore cette photo, elle a été prise après qu'on ait détruit le bébé mutant. À l'époque, on devait voyager dans l'espace pour essayer de récupérer les 6 autres boules de cristal. Oh, ça fait si longtemps et pourtant je m'en souviens que... Oh! La boule de cristal. Bien sûr. Si je me rappelle bien, elle m'a dit qu'elle l'avait laissée dans la cabane de l'arrière-grand-père sur le mont Paoz. Il est simple. Je récupère la boule de cristal et je demande au dragon de guérir grand-mère. Tu vas voir, tu vas être fière de moi. Je vais réussir. Surtout, ne pars pas avant que je sois revenue. Hein? Hé, hey, l'avorton! Tu vas où avec ce déguisement? C'est pas Mardi Gras que je sache. Je vais sur le mont Paoz. Quoi, le mont Paoz? Mais t'es complètement dingue! Je sais pas si t'es au courant, mais on raconte qu'il y a un monstre là-bas. Tu vas sûrement te faire dévorer.
Bon débarras. Et puis d'abord, explique-moi pourquoi un trouillard comme toi a décidé d'aller là-bas. Qui c'est qui t'a mis cette idée stupide dans la tête, ta grand-maman? Ça suffit. Vous allez la fermer. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est dangereux. J'ai le droit de me reposer, quand même. Où tu vas, chargé comme un baudet? Sur le mot pause. C'est pas la porte à côté. Vous pourriez pas m'emmener? Je prendrai pas de place. C'est très confortable. Aller à pied jusqu'au mont Paos, tu ne manques pas d'originalité, toi. Si tu as faim, sers-toi. Non, merci. J'ai déjà plein de provisions. On va faire une petite pause. Si t'as envie de faire pipi, c'est le moment ou jamais. Profites-en. Après, je ne m'arrête plus avant ce soir. Hein? C'est une excellente idée. Merci, monsieur. Hey, tu oublies ton sac à dos. Hein? Quoi? Bonne continuation. Non! Revenez! Oh. Il m'a bien eu. Comment je vais faire? J'ai plus rien. Intel Junior, ça va pas? J'ai fait de l'autostop avec un type qui m'a tout volé. Décidément, t'es vraiment le roi des imbéciles. Sur la route, on ne doit faire confiance à personne, c'est chacun pour soi. Pourtant, il avait l'air sympa. Mais au fait, Pac, on peut savoir ce que tu fais dans ce trou perdu? T'es très curieux pour un microbe. Si tu veux tout savoir, je m'ennuyais à l'école. Alors je me suis dit que j'allais faire un peu d'escalade sur le mont Pao, c'est amusant. C'est marrant, moi aussi. Ah ouais? Je voudrais pas t'inquiéter, mais il y a des chances pour que tu tombes sur le monstre en faisant ta promenade. T'y as pensé? Bon alors, qu'est-ce que tu décides? Tu rentres chez ta vieille mamie ou tu continues? J'aimerais avoir le choix, mais malheureusement, c'est pas le cas. Il faut vraiment que j'aille sur le mont Paos. Mais enfin, c'est de la folie. Tu n'as plus rien à manger et t'as plus d'habits de rechange. Je serais curieux de savoir ce qu'il est allé faire là-dedans. En l'air! Pardon, monsieur, je vous rembourserai plus tard! Attention! Yes, me!
Alors, tu le trouves comment, mon bolide? Il est super génial. Mais... Hé, hey, attention, ça coule. Arrête! Ne touche pas! Lave-toi les mains! Mais pourquoi tu t'es arrêté? On s'amusait bien. Regarde, on est arrivé. C'est là. Le mont Paus. En fait, tu ne m'as pas tout dit. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette montagne? Une boule de cristal avec des étoiles gravées dessus. Ah, et elle a quoi de spécial? Elle a appartenu à un dragon. Dans ma famille, on raconte qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle sert à exaucer les vœux. Tu parles, c'est sûrement une vieille légende. S'il y avait eu un dragon dans la région, ça se saurait. Ben moi, j'espère que c'est vrai parce que c'est tout ce que j'ai trouvé pour que ma grand-mère guérisse. Oh, j'étais pas au courant. Excuse-moi, je l'aime bien, ta grand-mère. Un duel, ça te dit? Je suis à ta disposition, gros plein de soupe. Si vous voulez vous battre dans les règles, tu lâches cette batte. Serre-toi de tes poings et ne vise pas le visage. C'est une dame, je la respecte. Pour une grand-mère, elle est coriace. Elle va mourir. Il n'y a que moi qui puisse la sauver. Pleure pas. Mange ta saucisse avant qu'elle ne refroidisse. Ça me fait penser... Tiens, reprends-le. Quoi? Il est à toi. Je n'en veux plus. Ça portera chance à pan si tu le reprends. C'est vraiment gentil. Junior! Quoi? Reste pas planté là! Bonsoir, jeune homme. On peut dire que je tombe à pic. Sans moi, tu allais passer un sale quart d'heure. Tu ne crains plus rien, ils sont partis. Hein? Junior! Junior! Tu nous sauves la vie, mais en plus, tu nous as préparé un festin droit. T'es la meilleure, Mamba. Merci pour le compliment, mon petit paquet. Surtout, ne te prive pas pour moi. Il y en a encore plein dans la cuisine. Ils sont bien dodus, tous les deux. Je vais me régaler.
Le festin de roi, c'est moi qui l'aurai. Allons, Mamba, tu vas pas les garder pour toi toute seule. Tu dois apprendre à partager avec tes amis. C'est dingue. Votre odorat est très développé, ça m'épate. T'es réveillée, Pac? Ouais, j'arrive pas à dormir. C'est bizarre. Je la trouve trop gentille, Mamba, pas toi? Voyons voir. Lequel vais-je croquer en premier? Comment t'as deviné que c'était une sorcière? Rappelle-toi ce que tu m'as dit ce matin à la station. Plus la personne est gentille et moins il faut lui faire confiance. On a eu chaud. Je suis là! Revenez! J'ai décidé de préparer un ragoût. Ça vous va? Je vous ai préparé un petit bouillon aux épices. Vous allez l'adorer. J'ai rajouté des oignons et du persil. J'aime quand ça a du goût, alors je vais vous laisser mijoter un moment. Je trouve que tu es drôlement jolie pour une sorcière. Tu devrais sourire plus souvent. Des dents pareilles, faut les montrer. Vraiment? Tu trouves que je suis jolie? Remarquez, on m'arrête souvent dans la rue pour m'admirer. J'adore ça, moi, les compliments. À propos, j'ai horreur qu'on me prenne pour une imbécile. Maintenant, tu vas te tenir tranquille, d'accord? Lâche-le. Tu restes dans ton coin, je m'occuperai de toi dans 5 minutes. Un peu de patience. Ah, c'est mieux comme ça. Sûrement Mamba, le monstre du mont Paos. On est sauvés. Ah. C'est pas le moment de se reposer, lève-toi. Il faut mettre des kilomètres entre elle et nous. Oh. Et tu veux aller où? On va quand même pas traverser ce pont. On n'a pas vraiment le choix, je te signale. Mamba est une sorcière et je suis prêt à parier qu'elle sait voler. Ouais, mais moi j'ai le vertige et le pont il est pas stable. Passe devant. D'accord. Ça va? Je te l'avais dit, c'est fastoche! Allez, vas-y, à toi! Oh.
j'ai pas peur. Je suis très courageux. En avant. Je vais te remonter. Non, j'ai peur. Fais ce que je te dis, t'entends? Donne-moi la main. Non, pas question. Si j'achète, je suis comme je vais tomber dans le précipice. Et un peu de cran pour changer. Pense à ta grand-mère sur son lit d'hôpital, ça te donnera du courage. Je suis là, t'inquiète pas. Pat, tu es vivant, c'est super. Allez, allez, courage, courage. Pauvre Pat. Si j'avais attrapé sa main comme il me le demandait, il serait encore vivant. C'est ma faute s'il est tombé. Pardon, grand-mère, je t'ai déçu. Je ne suis pas digne d'être ton petit-fils. Inutile de courir, tu ne m'échapperas pas. Tiens, tiens, alors ça pour une surprise, c'est une surprise. Au secours! D'accord, je veux bien la mettre. J'ai peur et je l'assume. Oh, puis plus. Non, mais qu'est-ce qu'il doit penser de moi, ce gentil petit ourson? Je dois retourner là-bas et le sauver. Allez, courage! J'ai une faim. On se connaît. On s'est vu chez Mamba tout à l'heure. Rappelle-toi. T'es parti trop vite, on n'a pas eu le temps de petit déjeuner. Dis-moi, c'est avec ça que tu as l'intention de me faire peur? Elle est plutôt minable, cette arme. Et voilà. Au fait, je cherche une boule de cristal. C'est important, ma grand-mère est malade et ça peut la sauver.
Au départ, on était deux, mais à cause de moi, mon ami est tombé dans un gouffre et je me retrouve tout seul ici. Si j'avais été courageux, il serait encore vivant. Il a sacrifié sa propre vie pour sauver la mienne. C'est gentil de vouloir me consoler. Ça me fait du bien. Non mais c'est pas vrai, ça recommence. Ah d'accord, c'est ta maman, je parie. Coupe. Je te déteste. Honnêtement, tu es très jolie avec les cheveux courts, tu sais. Oh. Oh. C'est vraiment pas le moment de discuter de ça. Oh. Qu'est-ce qu'ils peuvent être collants, ces trois-là? Ils peuvent pas aller voir ailleurs si j'y suis. Reviens ici tout de suite, tu m'entends? Je le vois plus. C'est pas possible, ça doit être un magicien. Ça se pourrait bien. En tout cas, il est différent des autres enfants de son âge. On vous a bien eu, hein? Petit insolent, je vais t'apprendre la politesse. Oh non! Je savais pas qu'il pouvait voler. Laissez-moi me présenter, je suis le seigneur du Mont Paos. Bonjour, Altesse, vous allez bien? Ça fait des heures que je vous regarde vous faire humilier par un simple petit enfant, je suis déçu. On est désolé, Altesse. Je rêve. Qui a fait ça? Oh, maman ours, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez me sauver? Tu vas me lâcher, oui. On ne bouge plus, les microbes. Et voilà. Vous restez là, je m'occuperai de vous tout à l'heure.
Si tu crois que ça m'impressionne... Maman ours, j'ai trop peur. Finissons-en. Ne la touche pas. Pardon. Alors là, je comprends plus rien. C'est la première fois que je rencontre un gamin aussi puissant. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Évident de trouver ce que je cherche dans toute cette pagaille. C'est pas là? C'est pas là non plus? Où est-elle? La voilà, je l'ai! J'ai réussi! Grâce à cette boule de cristal, je vais pouvoir guérir ma grand-mère. Au boulot! S'il vous plaît, dragon, soyez gentil, exaucez mon vœu. Ma grand-mère est très malade. Vous seul pouvez la sauver. Guérissez-la. Pendant que vous y êtes, ce serait bien si vous pouviez sauver aussi mon ami Pâques. Il ne se passe rien. Vous pourriez me faire un signe, n'importe quoi. Allez, soyez gentil, montrez-moi que vous avez entendu ma prière. Ça doit pas être compliqué. S'il vous plaît, monsieur le dragon, parlez-moi. J'ai fait un long chemin pour retrouver cette maudite boule de cristal. Hein? Pourquoi? Pourquoi? On ne vous a pas dit qu'il fallait répondre quand on vous parle? Zut! Quand je pense que j'ai fait tout ça pour rien, c'est vraiment pas juste. Si tu veux parler au dragon, tu dois rassembler les 7 boules de cristal. Elle ne te l'a pas dit, ta grand-mère? Hein? Salut. Qui êtes-vous? Moi, eh bien, je suis ton... Arrière. Ben, dis donc, ça en fait des générations. Bon, on s'en fiche. Pour résumer, disons que je suis ton arrière-grand-père. Quoi? C'est toi? Son Goku? Eh oui.
Je t'ai observé tout à l'heure. Tu t'es bien battu. Ton adversaire n'en est pas revenu. Oh non, tu dois te tromper. C'est Maman Ours qui a fait tout ça, pas moi. Ne te dévalorise pas. Tu as l'étoffe d'un grand guerrier, crois-moi. Tu trouves? Je t'ai pas fait honte? Bien sûr que non, au contraire même. Je te rappelle en passant que tu es mon arrière, arrière, arrière... Arrière, arrière... Enfin bref, tu es mon descendant et tu as tout pour devenir quelqu'un de bien. C'est faux, à cause de moi, mon copain est tombé dans un gouffre. Non? Ça va? Tu es vivant? Mon chéri! Oh, tu es guéri, grand-père, mon souhait est exaucé. Merci, grand-père. Non, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas un petit infarctus de rien du tout qui va m'empêcher de poursuivre ton éducation. Tout est rentré dans l'ordre. Finalement, le dragon n'a pas attendu que je lui rapporte les sept... Oh! Grand-père? Le dragon n'y est pour rien. C'est ton courage qui a permis ces miracles. Que cela te serve de leçon pour l'avenir. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Ah, oui. On n'échappe pas à son destin. Avec des gènes pareils, Son Goku Junior ne pouvait pas échouer. Je vais travailler dur à partir de maintenant. Continue à veiller sur moi, grand-père. Je serai digne de toi. Notre jeune héros repart avec la boule de cristal. Il lui suffira de la regarder pour penser à son célèbre aïeul. Grâce à cette précieuse relique, il ne se sentira plus jamais seul. Finalement, je me demande si Pan n'a pas fait exprès de tomber malade. Cheers.